Les chevaux sont sous les ordres du départ. En fait, sous les ordres du starter. Ils sont prêts pour le départ. Mettre dans l'ordre, on touche mieux dans l'ordre. Le starter, on aide ça. And we're off. C'est parti pour ce prix Arcana, le bumper de 1500 mètres pour chevaux de 3 ans à vocation obstacle. Et un très bon départ tout de suite pour le numéro 5 qui s'est installé au commandement, c'est le numéro 9 même, Finas avec Maxime Dugnot qui va tenter de faire honneur à l'encouragement et surtout à l'investissement de Liliane et de Guy autour de ce formidable point to point de Château-Condier aujourd'hui, le numéro 8, la causerie Borgette est venue maintenant à l'avantage. Et puis aussi la casaque de Patrice Quinton, c'est-à-dire le numéro 5, Botoa, qui est en troisième position. On vient ensuite avec la casaque Pelletier, c'est le numéro 6, Magrillonne, associé à Guilin Bertrand. À la regarde pour le moment, c'est le numéro 3, c'est-à-dire Thiam de Pibois, associé à Yves Cormier-Martin. La causerie Borgette qui a toujours facilement l'avantage alors qu'ils sont dans le et qu'ils vont passer dans les tribunes avec la causerie Borgette qui emmène toujours le peloton avec un très léger avantage. On vient dans son dos et bien calé côté corde avec la casaque Quinton du 5 Botoa qui vient parmi les premiers. Magrillum n'est pas loin de tente de faire avec Fort Elena Las également alors qu'il passe quasiment devant le poteau de la ligne droite des tribunes. Et avec vos applaudissements, bien sûr, puisqu'il passe devant nous avec l'avantage pour le numéro 8, la causerie Borgette, qui a nettement l'avantage. On va en rythme franchement tranquille pour cette course. On va accélérer en progression. Le numéro 5, Botoa, est en deuxième position. On vient un petit peu plus loin avec la casaque Pelletier, c'est-à-dire qu'on retrouve le numéro 6, Magrillonne. Tout près également. Un rapproché en dehors, c'est l'As Fort Elena, associé à Mathilde Bourillon. Ils abordent la ligne d'en face. Got number 8, La Causerie Borgette, who's still leading the contest here with Thomas Guineau for the European pageantry champion, who's just being overtaken here by the Pelletier Kazakh number 5, Botoa, as they go along the back straight. Et c'est toujours la causerie Borgette qui emmène la peloton avec un très léger avantage, mais on vient de mieux en mieux avec le 5 maintenant. Botoa et la casaque Quinton, Lisa Quinton qui est en selle pour venir à l'extérieur. La troisième place est pour le 9 Finas qui n'est pas loin du tout, alors qu'on est un petit peu plus loin avec le 6 Magrillon ou encore avec Finwell, c'est la casaque Aubry. On s'est disputé le commandement avec le numéro 8, c'est la causerie Borgette qui a toujours l'avantage et qui a répondu à l'attaque du numéro 5. Botoa avec Lisa Quinton qui va prendre l'avantage à l'entrée de la dernière ligne droite et c'est bien. Maintenant le sprint final, Botoa le numéro 5, cette fils d'Anna Bablou qui prend l'avantage avec toujours la causerie Borgette en deuxième position et la belle fin de course de Fort Elena, c'est le numéro 5, Botoa qui a l'avantage, mais numéro 8 revient avec la causerie Borgette, la troisième place pour l'As Fort Elena. Ah c'est très serré, ah c'est très très serré, photo, mais comme on n'a pas mis de photo, comment va-t-on faire? Haha, on va le faire à l'applaudimètre. On va le faire à l'applaudimètre pour cette arrivée. Botoa, en tout cas, à la photo avec la causerie Borgette. Les deux chevaux sont allés très vite pour finir. La troisième place pour l'As Fort Elena.